La jolie brindille du reste du monde est chahutée au niveau des sentiments ces derniers temps, une fin d'année difficile pour la jeune femme célibataire. Tous les deux séparés depuis l'été dernier, Ilona et Julien sont toutefois restés en contact proche. Atteinte de la Covid, Ilona s'est même réfugiée chez Julien, prétextant de garder leur chien pendant les vacances. Un si grand amour que celui de ces deux-là ne peut pas disparaître en une seconde. Très affectée par cette rupture, Ilona avait même inquiété ses fans. Amaigrie, déprimée, la jolie jeune femme n'était pas au mieux. De son côté, Julien, qui avait tenté une histoire avec Océane, est toujours célibataire lui aussi. Très amoureux, les deux jeunes gens avaient finalement pris la décision de se séparer totalement, afin de vivre heureux, séparément. Malgré tout, l'ancien couple se retrouve régulièrement confronté à de nombreuses rumeurs qu'ils tiennent à démentir. Le blogueur Acab dément les rumeurs sur Julien et Ilona. Le blogueur Acab ne mâche pas ses mots et qualifie le rapport que Ilona entretient avec Julien est « déplorable ». Ce dernier est régulièrement sollicité pour donner son avis sur les dernières actus. Voici ce qu'il dit, « Vous avez été nombreux à me demander ce qu'il se passe. Je reçois beaucoup de messages et je lis vos messages de spéculation et tout ça. Ilona Hébert de retour. Point pour le moment, Julien seul prend la parole concernant ces rumeurs. Jamais je me remettrai avec elle, lance-t-il, pendant que Ilona bronze à l'île Maurice. Toutefois, le blogueur Acab n'est pas dupe. Selon lui, les candidats de télé-réalité sont des mythomanes qui manipulent leur public pour rester tendance. Si de tels mensonges seraient à déplorer, en effet, ce ne serait pas sympa pour nous. Par contre, si Ilona trouve toujours son bonheur auprès de Julien, on valide totalement.